Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment transférer ou migrer les disques durs d'un boîtier Synology vers un autre. Pour commencer, ça va se passer sur le plan de travail. Nous voilà donc sur l'ancien Synology. Alors, on va faire un transfert de disque, car en fait, la carte mère de Sino a lâché. Donc on va transférer les disques sur le nouveau. Alors vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. On va ouvrir l'ancien et le nouveau. Le plus important, c'est de respecter l'ordre des disques. Ça, c'est primordial. Donc là, je les ai déjà marqués. En fait, le mieux, c'est de noter disque 1 ou disque du dessus et disque du dessous. Sinon, si vous respectez pas cet ordre, et ben vous risquez de perdre complètement toutes vos données. Donc nous, le but justement, c'est de migrer de Synology sans perdre des données. Donc là, on va retirer le disque 2. Donc bien sûr, au préalable, j'ai déjà enlevé les vis, c'est pour gagner du temps. Ensuite, donc le 2, je le mets en dessous, le 1, je le mets au-dessus. Et on va dire pour ce qui est du transfert matériel, physique, on a fait ce qu'il fallait. Il restera juste à mettre, comme d'habitude, les vis sur les disques et c'est parti. Ensuite, on va démarrer le Synology et la suite de la configuration se passera sur le PC. Nous voilà dans le Synology Assistant. Comme on peut voir, on a ici notre NAS qui nous met à l'état pouvant être migré. Donc on double-clique dessus. On double-clique dessus et il nous propose. Donc voilà, il a détecté que nos deux disques étaient dans un DS213J et qu'on l'a placé dans un 218 Play. Donc il suffit de cliquer sur migration. Alors là, vous choisissez si vous gardez uniquement vos fichiers. Donc moi, je vais faire migration parce qu'il y a une application, il y avait plusieurs applications qui étaient installées sur SNAS, donc j'aimerais bien récupérer les fonctionnalités. Et donc, on installe le dernier DSM. Une fois ça en fait, c'est votre signe joueur. Et donc, nous voilà sur notre NAS avec tous nos fichiers
Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. À bientôt.